Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de Zelda 3D. Alors, nous avions commencé le Temple du Courage la dernière fois. On a obtenu une petite clé et puis on était en train de commencer à se perdre dans les profondeurs du donjon, mais plutôt les hauteurs du donjon. On va retourner par là parce que il y avait un escalier que j'avais laissé de côté. Donc là on est au deuxième étage, on est tout en haut. Ce donjon a l'air très vaste et pas linéaire du tout, ce qui est bien. Encore me faire tuer. Enfin, encore. Pour l'instant, j'ai pas eu game over encore. J'ai trouvé une petite clé. D'accord. Eh ben, ça nous en fait deux. D'accord, bon, j'ai ouvert la porte qui était de l'autre. Enfin, qui était en haut. Celle-ci, logiquement. Ah oui, c'est ça. Ah, aïe, 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 aïe. Encore une clé. Bon, bah, ça fait 3. Et on revient ici. Bon bah on a bien fait de venir, on a trouvé deux clés là. Pour l'instant c'est tout ce qu'on peut faire à cet étage, j'ai l'impression. Et quelque chose me dit qu'il nous faudrait le grappin pour faire plus. Alors là où il y avait une porte fermée à clé, si je me souviens bien, c'était peut-être en descendant. Oui, c'était là. Iiii, aïe. D'accord. Ah bah ici on peut pas passer. Qu'est-ce qu'il y avait par là-haut déjà? Il devait y avoir une clé, mais qu'on a déjà eue. Pas mal l'attaque tournoyante. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Là, on va monter, et sinon on serait descendu... descendu tout en bas... Ouh là là! Encore une clé. Ah bah là... pour l'instant, on n'a aucun moyen de... d'atteindre notre ami ici à droite. Donc faudra revenir. Il nous restait encore à visiter ça. Donc là on est tout en bas cette fois-ci. Ouf. Aïe 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 aïe. Oui, comment je fais?
Donc là, je reviens juste où j'étais. Très bien. Et on remonte. Ok, donc par chance, j'en ai déjà ouvert cette porte. Je suis de retour dans la grande salle du rez-de-chaussée. Ah, d'accord. Très bien. Bah, ça, c'est bien. J'ai ouvert un accès direct vers depuis l'entrée du donjon. Ah, pourquoi on peut pas prendre les cœurs comme ça? Alors, est-ce que je monte là ou là? Je ne sais pas. Ah. La boussole! Les coffres et le boss du donjon sont désormais indiqués. Alors, combien il reste de coffres? Deux coffres. Tout en haut. Dont un qui est après le boss. Donc, qui est probablement le pendentif du courage. Puisque si j'ai bien suivi, je dois trouver le pendentif du courage, le pendentif de la force et le pendentif de la sagesse. Et nous sommes dans le temple du courage. Ah. Ouh, j'ai pas la grande clé. J'ai coincé là, non? Ah oui, d'accord, c'est carrément le boss qui est derrière, là. Donc c'est vraiment pas pour tout de suite. J'ai encore une clé, donc il y a un endroit où il faut que je retourne, et où il devait y avoir une porte verrouillée. Mais alors, pour retrouver où? Ça pourrait être simple. Je pense pas que ce soit ici parce que j'avais tout fait. Peut-être plus par là? Là, il y avait juste un coffre. Mince. En bas, il y avait juste l'escalier qui montait au deuxième étage. On a trouvé des clés, mais on n'a pas trouvé de serrure. Et là, on n'a toujours pas ouvert cette porte. Et en plus, je vais bientôt mourir. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah! Ok, bon. On est téléporté de façon instantanée à l'entrée du donjon quand on se fait tuer. Là j'y étais allé, c'était vers le boss pour aller. Là ça allait vers le boss, il me semble. Ouais. Peut-être ici qu'il faudrait que j'aille. Ah oui, mais je peux pas parce que j'ai pas d'arme à distance encore. Ah, mais c'était tout simplement là que j'avais raté. J'étais quand même allé en bas ici. Ouais. Mais je me souviens plus ce qu'il y avait. Ok. Bon, on va pas refaire ça, c'était le début du donjon. Un petit bouton qui ouvre cette porte. Ok, je reconnais cette porte. C'est là où j'étais juste à l'instant.
Oui, il faut que j'aille par là. Ah, enfin, juste un instant, c'était quand même avant de mourir. C'est pas forcément si près que ça. Et à mon avis, pour y aller, c'est pas le bon chemin. Non, c'est pas le bon chemin du tout. Ok. Donc c'est plutôt par là, ouais. Oula. Après je descends. Et après, c'est là. Cette porte-là qu'on vient d'ouvrir. Voilà. Mince. Ah, un boss. Ou un mini-boss, plutôt. Celui-là, il vient tout droit de Secret of Mana. On peut le tuer qu'à distance. Puisqu'il disparaît quand on s'approche. Donc, faut lui lancer les vases. Ouf. Comment ça? Qu'est-ce que je vais faire quand il n'y aura plus de vases? Ah, il y a un interrupteur. Il va les faire réapparaître. À tous les coups. Non, mais c'est ce que je ferais si j'étais le programmeur. Ah, il en fera apparaître un. Là, je me souviens que dans ce jeu, il y a énormément de boss qui sont basés sur le même principe, c'est-à-dire qu'ils tirent des boules de feu comme ça. Il est quand même pas coincé dans le vase. Mais ça, c'est pas très malin. Ok, il peut plus bouger parce qu'il est dans un obstacle, mais c'est pas grave. Mince. Ah, mais ça tire pas loin. Ça y est. Ouf. Ah, l'arc. Yes. Et qui plus en appuyant sur entrée puis certain avec X pour attaquer à distance. Ouais, il s'était auto-équipé parce que ça doit être le premier objet. Deux portes qui s'ouvrent. Donc ça, j'ai l'impression que c'est juste des raccourcis vers des salles où j'étais déjà allé avant. Ouais, c'est ça. Alors là, je vais arriver au début du donjon. Alors maintenant, il faut que je me souvienne où j'avais besoin d'une arme pour... d'une arme qui tire à distance. Ah, ça marche. J'en ai besoin là, déjà. Mince. D'accord. Alors, ensuite, faut que j'aille en bas. Ouais, donc je pense que depuis le début du donjon, c'est pas trop dur d'aller là. Je pense que c'est par là. Un peu de chance, on va trouver la grande clé. Non, c'est une petite clé. Alors, il y avait un autre endroit où j'avais besoin de l'arc.
Mais là, cette fois-ci, je me souviens plus du tout où c'est. Ah oui, donc là, je reviens là où j'ai... dans la salle où j'ai trouvé l'arc. Ouais, c'était... C'était pas du tout là, mais... C'était une salle avec des ennemis... Enfin... Un ennemi sur la droite, derrière des barrières. Je crois que c'est peut-être par là. Non, pas du tout. J'ai regardé sur mon plan, il devait y avoir des salles où je suis pas allé encore. Ouais. Ah bah voilà. Donc c'est forcément là, tout en haut. Alors, je suis au rez-de-chaussée ici. Il faut que je monte tout en haut à droite. Donc pour y aller... Oui, c'est pas totalement évident parce qu'on voit pas par où faut passer. Je pense que dans tous les cas, il faut revenir vers la salle principale. C'est-à-dire par ici. Et ensuite, on doit pouvoir passer en allant dans ces coins-là. Si je descends là... Ah, mais j'ai pas envie de descendre, j'ai envie de monter plutôt. Voilà, c'est par là. Voilà. Toutes les salles se ressemblent, alors j'ai du mal à m'y retrouver. La clé du boss! Elle s'appelle clé du boss dans ce jeu, elle s'appelle pas grande clé. Bon, bah on n'a plus qu'à aller lui rendre visite. De toute façon, j'ai tout trouvé. J'ai tous les coffres, sauf celui qui apprend le boss, et j'ai visité toutes les salles. Alors, par où on passe déjà pour y aller? Ça doit être par le début du donjon. Parce que souvent, si c'est bien fait, on va pouvoir retourner au boss assez rapidement depuis la première salle du donjon. Pour le cas où on aurait game over. Mais où est-ce que je vais? C'est pas par là? Je me suis perdu. Je me suis complètement perdu là. Je suis au deuxième étage, mais qu'est-ce que je fais là? Je croyais revenir au début. Je me suis trompé. Alors... Bon. Un bon moyen, c'est d'aller à droite. Ouais, c'était par là qu'il fallait que j'aille tout à l'heure. Alors, c'est... Oups. Moi, je pense que c'est par là. Oui, c'est ça. On a bien un accès direct depuis l'entrée du donjon. Par contre, il y a quand même des choses avec le grappin à faire, là. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra revenir plus tard? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas tout trouvé? Bonne question. Bon, et ben on est prêt pour le boss. Mais on va mettre fin à cet épisode. Parce que c'est l'heure. Donc je vous retrouve bientôt pour aller tuer le boss dans le prochain épisode. Salut à tous!